Chazak Baruch, Rabotai, Bessorot Tovot. On est aujourd'hui le 7 dans le mois d'Adar. Comme on le sait très bien, Iloula de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Et chacun de nous, je suis sûr qu'il s'associait avec même ce que la Rabbanout d'Israël, il y a 72 ans, a décidé qu'aujourd'hui, ce sera une journée où on va prier, même ceux-là qui font le Kaddish, surtout les soldats qu'on ne sait pas où ils sont enterrés. Toutes les personnes qui sont décédées, qu'il y a peut-être personne qui dit Kaddish sur eux. Et c'est le lien avec Moshe Rabbeinu que personne n'y sait justement où il est enterré. Et pourquoi ? C'est la Torah qui le signale. Une des réponses, c'est dans le Talmud Sota, page 14. Là-bas, la Gemara dit il y a des choses que justement, ils sont cachées de l'œil. Au cas où, s'il y avait la tombe de Moshe Rabbeinu, à chaque souci, ou même quand le temple a été détruit, on aurait là-bas pour aller prier, ça aurait été réalisé tout de suite. Mais je pense que dans les deux minutes qui nous restent, il y a un grand message. Comprendre des choses qui sont cachées de nos yeux et on ne peut pas les savoir, on ne peut pas connaître comme on ne peut pas trouver la tombe de Moshe Rabbeinu. Cette semaine, on va lire Parashat Terumah, bien sûr, mais Shabbat Zachor. Et il y a beaucoup des halakhot, cette année c'est beaucoup plus compliqué vu le Covid. Donc même les femmes, en général, ce serait mieux s'ils pouvaient faire un effort, mais là cette année c'est compliqué. En plus, il y en a qui disent non, les femmes, ils ne sont pas obligées, ils n'ont pas fait la guerre avec Amalek. Mais c'est quoi cette histoire d'Amalek? Pourquoi on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui hein, qui sont là? Quelles raisons ils ont? J'ai écouté un beau message au nom de Rav Ashkenazi, qu'il a partagé qu'en général, il y a trois raisons dans le monde lesquelles les guerres se déclenchent. Une raison, c'est une histoire de force. Quand quelqu'un il sent une menace, ou il a peur de quelqu'un d'autre, ou il veut montrer qu'il est plus fort, c'est une raison pour déclencher une guerre. Deuxième, c'est quand il y a une histoire de territoire. Hein, moi, c'est le mien ou c'est le tien, où il y a du gaz, où il y a du neft, alors il peut y avoir un combat, une guerre. Et la troisième, très connue, c'est la religion. Combien des combats et des guerres il y a eu dans le monde à cause de la religion qu'un essaie d'imposer à l'autre. Chers amis, ce Amalek là, on va lire Shabbat, il n'y avait aucune raison pourquoi il fait la guerre avec nous. La Torah elle précise, « Asher karcha baderer » tu étais en chemin, tu n'avais même pas de pays, tu n'as pas de territoire. Ve'ata ayef ve'yagea, on était faible, on vient de sortir d'esclavage. Et en plus, velo yare elokim, on n'a même pas reçu la Torah encore, les 10 commandements. Donc pour quelle raison il est venu nous embêter? Pour rien. Et bien chers amis, c'est pour ça ce Shabbat, quand on va lire Amalek, on va savoir, tant que tu vois, c'est irrational en français, qu'il y a de l'antisémitisme dans le monde, sache qu'on existe. Et ce sera toujours comme ça. Et on ne va pas pouvoir le comprendre, mais on doit se renforcer et de savoir. Et après, je fais confiance à chacun de nous. N'oubliez pas aussi les liens chassidiques que Amalek, ce n'est pas seulement physique. Il est toujours là à nous donner des doutes. Il est toujours là pour nous embêter, pour nous refroidir. Et tout ça pour quelle raison? La vérité, on ne peut pas comprendre. Hein. C'est pour ça qu'on va lire ça ce Shabbat. Comme on ne sait pas où il est enterré, Moshe Rabbeinu. Mais tant que ça existe, c'est que nous aussi, Baruch HaShem, on existe, on lutte, on arrive. Et comme ça, Bezrat HaShem, avec la force de Moshe Rabbeinu, avec le mérite de chacun, même s'il est à la maison, il n'a pas pu, mesdames, les enfants, ils n'ont pas pu venir à la synagogue. Prenez la Torah, Parashat Kitetse, à la fin de Chumash Devarim. Lisez, même à la maison, dans le cas où vous n'avez pas pu venir à la synagogue. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Et comme ça, Bezrat HaShem aussi, Dieu, il va voir autour tout ce qui se passe. Avec ces Amalek, ils existent toujours. Et il va nous sortir comme ça à Pourim, si Dieu veut. Peut-être pour une fois à la place de mettre les masques à pourrir, on va pouvoir même les enlever. Shabbat shalom. Amar Rabbi Elazar.